سرقت باتجاه تركيا وبيعت بأرقام كبيرة. Des milliers d'usines et de machines d'usines qui ont été complètement déboulonnées et puis envoyées en Turquie, qui ont été revendues en Turquie et ailleurs, leur ont permis aussi d'avoir des tonnes, des quantités importantes d'argent. الأرقام الكبيرة التي كانوا يحصلون عليها وحتى هذه اللحظة من المعابر ومن الرسوم التي يفرضوها على الناس. Une quantité d'argent importante qu'ils arrivaient à avoir par les passages routiers, par les ponts, etc., où ils laminaient la population en fait. والقسم الأكبر من الصراع الحاصل الآن داخل إدلب بين المجموعات المسلحة هي على الموارد ومصادر الموارد. Et les plus grandes batailles qui existent maintenant, par exemple, entre les différentes factions terroristes, ce sont des batailles sur l'argent et sur ces richesses. Bien, mais ce sont toutes des choses qui ne sont pas dans les médias en Europe. وهذه كلها معلومات ما أنا موجودة أبدا بالإعلام الغربي. هم لا يريدونها. هي موجودة ولكن لا يريدون أخذها. En fait, il dit, elles existent, mais ils ne veulent pas la prendre. En français, on dit, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas voir et qui ne veut pas entendre. أنا قبل قطع العلاقات الدبلوماسية وكان سيد إيليا معي. التقينا مع رجال في السفارة الفرنسية وكانوا يقولون لنا نحن كنا نبلغ بلادنا بحقيقة الأمر ولكن نفاجأ بأن سياساتهم هي عكس ما كنا نبلغهم إياه. Il dit lors de rencontres avant que la France ne coupe les relations avec la Syrie, les rencontres avec les diplomates français ici, il disait que de toute façon nous envoyons des rapports et des informations à nos pays sur la Syrie, mais on est toujours surpris de voir que leur politique va à l'encontre de ce que nous suggérons et de ce que nous proposons, ou même de la cohérence avec les informations que nous leur donnons. France 24. France 24. في عام 2011. En 2011. اتصلوا اتصال هاتفي بي. L'ont appelé téléphoniquement. كنت في مدينتي في مصيف. Il était à Mosia. طلبوا مني أن يكون هناك لقاء مباشر على فرنسا 24 الساعة 10 ليلة. Ils ont demandé est-ce qu'il y ait une interview sur France 24 à 10h du soir. 10 ليلة. قلت لهم أنا جاهز وأنتظر. Et je leur ai dit je suis ok, d'accord et j'attends. قال نريد أن نسألك بعض الأسئلة لتكون برومو للحلقة. نريد أن نسألك بعض الأسئلة لحتى نقدم الحلقة. دكتور فيليا. Je veux bien apprendre l'arabe mais plus tard. Il dit je voudrais faire quelques petites interviews pour poser une promo pour la J'ai pas eu la traduction, donc qu'est-ce qui s'est passé avec cette interview? Non, ils lui ont demandé quelques petites interviews pour le lancement de la soirée, en fait, oui. Le lancement. Il a commencé. Donc, et première question. Qu'est-ce qui se passe à Mosiaf? Événement. Dit, il n'y a pas d'événement à Mosiaf. Je suis dans la ville et je marche dans la rue et il n'y a rien. Elle dit, nous, on a un témoin qui dit qu'il y a des événements et puis des incidents. Des tirs dans les rues.
Et lui dit, moi je marche dans les rues, il n'y a rien. قلت لها هذه معلومة من شخص مجهول أنا شخص معروف ولي صفة وأنا موجود بالساحة. Dit ça, ce sont des informations qui viennent d'un inconnu. Moi, je suis quelqu'un de connu ici, un être officiel, une personnalité officielle, et je marche dans la rue et je vous dis ce qu'il y a. فناقشتها بمصداقية هؤلاء الذين يقولون لها معلومات. Donc il a discuté de la juste en fait de la crédibilité. Crédibilité, effectivement, des informations que lui raconte ce témoin. قلت لها نحن كحزب معارض معروف. Nous sommes un parti d'opposition connu. أقدم لك عدد مفتوح من المراسلين في كل المناطق التي تريدينها. Je suis prêt à fournir un nombre important de témoins dans toutes les régions que vous voulez ou vous voulez savoir des nouvelles. وبأسمائهم الصريحة. Et avec leurs noms précis. جربيهم في نقل ما يحصل ميدانيا على الأرض. Essayez d'avoir les relations avec eux et puis demandez-leur des informations. إذا كانوا صادقين تتابعين العمل معهم. S'ils sont crédibles, vous continuez. إذا اكتشفتي بأنهم يزيفون الحقائق، si vous pensez qu'ils maquillent les réalités، أنا مسؤول عن ذلك. Moi je suis responsable de tout ça. قالت لي إذا نلتقي الساعة العاشرة. Elle dit bon ok on se retrouve à 10h. طبعا في عام 2017. بعدين ما في حدا. ما في حدا. Donc pas de suite. Nous sommes ici sur la place Al-Marjeh au cœur de Damas et en été 2013. Il y a eu une voiture piégée devant le ministère de l'Intérieur derrière moi qui a creusé un trou énorme. Il y a eu énormément de personnes tuées dans le bâtiment, dans la rue. Une deuxième voiture piégée a commis un autre attentat un peu plus tard. Et notre guide presse qui nous accompagne a en 2013 accompagné 5 équipes de la télévision française, France 2, BFM TV, Radio France, d'autres. Et ils ont tout filmé. Et rien n'est passé à la télévision. À vous de tirer les conclusions. En 2017, il y avait nombreuses agences d'information, dont France 24. سأل الجميع ومراسل France 24 سأل سؤال. Le correspondant de France 24 pose la question. قلت له قبل أن أجيب. هل ستفعل بي كما فعلتم في 2012؟ Et il pose une question et donc avant de répondre, il lui dit, avant que je ne réponde, est-ce que vous allez faire la même chose qu'en 2012? Donc, en fait, tout ceci pour dire que la diplomatie occidentale et les informations, les agences d'information étaient clairement, ne voulaient pas savoir la réalité sur place. كنت وأنا التقيت مع بعض الدبلوماسيين الغربيين بعد قطع العلاقات. Il a pu rencontrer quelques diplomates après l'interruption des relations. كنت أقول لهم أنتم بقطعكم للعلاقات أضريتم بمصالح دولكم وليس بمصالح سوريا. Et il leur a dit, vous en interrompant les relations, vous avez nui aux relations de votre pays. على الأقل لأنكم خرجتم من سوريا ولم تعودوا تعرفون ماذا يحصل في سوريا مباشرة. Au moins que vous êtes sorti de la Syrie et vous êtes incapable de savoir ce qui se passe sur le terrain. وأصبحتم رهينة أجهزة المخابرات وأجهزة الإعلام التي بكل أحوال مفبركة ومرتبة لمصالح سياسات معينة. Et vous êtes devenu otage dans les mains des services de renseignement et des médias, des autres médias qui vous racontent n'importe quoi. حتى مشروع المصالحة.
même le projet de réconciliation. انا اعرف جيدا بان اغلب الاوروبيين لا يعرفون شيئا عنه. Exact. Et même la réconciliation, il est convaincu que la majorité des Européens n'en connaissent rien. وانه قدم للغرب على انه مشروع للدولة السورية لتغليف الأزمة وأخذها لمصلحتها. Et ce qui en est dit, c'est que c'est un projet de l'État syrien qui sert à envelopper effectivement et masquer le projet de l'État pour remettre la main sur l'ensemble. لم يتكلم أحد على أنه أكثر من 100 مدينة سورية أنجزنا بها مصالحات وجنبناها المعارك والحروب. Personne n'a pu dire. On a dit qu'il y a plus de 100 villes dans lesquelles il y a eu des réconciliations et pour lesquelles nous avons évité qu'il y ait des combats et des destructions. Et surtout des destructions humaines. أكثر من 3 مليون مواطن سوري مدني في هذه المناطق تجنبوا ويلات الحرب ونتائجها. Plus de 3 millions de personnes dans ces villes ont évité Plus de 100 000 personnes qui ont été qui se sont rendues à la vie normale dans la patrie et en fait 100 000 combattants terroristes se sont rendus et ont été retournés à une vie normale sociale et familiale. اليوم أكثر من 35,000 خرجوا من السجون بعد دخولهم إياها على خلفية الأحداث التي حصلت. Et plus de 35 000 personnes ont été libérées des prisons alors qu'ils étaient emprisonnés suite aux événements, à leur activité terroriste, on peut dire. Ils ont été libérés par ces réconciliations, etc. العنوان الأهم الذي حاربنا به الغرب والمصالحات عالجته بالكامل هو منع أي تغيير ديموغرافي لأي قرية سورية مهما كان حجمها. Et le plus important, c'est que, et on a été largement combattu là-dessus, c'est en fait par ces réconciliations et ces retours à la normale par les gens, nous avons évité tout changement démographique dans toutes les régions où les réconciliations ont eu lieu. البعض يتكلم ويرسم صورة أن هناك مناطق مهجر الناس منها. Certains disent qu'il y a des lieux, des endroits où on a obligé la population à partir. وطبعا هذا بفعل الحرب والإرهاب. Et en fait, le départ des gens a été surtout suite à la guerre et au terrorisme. ولكن لا يستطيع أحد أن يثبت قرية واحدة في سوريا تم إسكان غير أصحابها الحقيقيين سكان محليين فيها. Et personne ne peut certifier ou prouver qu'il y ait le moindre village ou ville où la population a été installée une population différente de la population d'origine. Donc il a un bilan très satisfaisant de son travail de la réconciliation. إذن عندك ميزانية وهذا يعني بالنهاية الوضع جيد جدا بالنسبة للعمل اللي صار. أنا لست مع الجيد جدا. بدنا نطلع من هاي النسب العالية. Il n'est pas pour le très bien, le très positif. Il pense qu'il y a effectivement une réalisation importante, effectivement. مقارنة مع حجم الإرهاب الذي كان قائم والفوضى التي كانت قائمة. Effectivement, comparé à la masse des terroristes et à la masse de la violence qui existait, والصعوبات التي كنا نعانيها. Et les difficultés auxquelles ils se sont exposés. والتدخلات الخارجية في منع المصالحات حتى. Et les ingérences extérieures pour éviter qu'il y ait réconciliation. نستطيع أن نقول أن ما أنجز هو جيد. On peut dire que ce qui a été réalisé est vraiment bien.
Pouvez-vous me dire quelle est votre profession, quelle a été votre activité avant d'être ministre ? بإمكانك تخبرنا شو كانت مهنتك قبل ما تكون وزير للمصالحة وشو هي نشاطك؟ أنا بالأساس طبيب عيني، طبيب أخصائي بأمراض العيون. إليه أفتلمه. ولكن كان يعتبر البعض أن هذا العمل الاستثنائي أو الإضافي، أما العمل الأساسي فهو في العمل السياسي. Et les gens considéraient que la politique était un travail supplémentaire, mais en réalité, la politique est devenue le principal et l'ophtalmologie c'est devenu secondaire. Il est membre du Parti populaire syrien. Depuis 2008 à aujourd'hui, je suis le président de ce parti. Depuis 2008, depuis 2008, il est le président de ce parti. وهذا الحزب منتشر بين لبنان وسوريا والعراق والأردن وسوريا الطبيعية ما نسميه. Ce parti existe dans toutes les parties de la Syrie naturelle, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine. وقبل وجودي في الحكومة نحن كحزب كنا من أحزاب المعارضة في سوريا وحتى قبل 2011. Depuis, même avant 2011, c'était un parti d'opposition. Et en fait, avec les événements et la complexité des événements, ils ont proposé, donc le parti a proposé la réconciliation comme une solution. D'opposition, pourquoi ? Quelles étaient les contradictions avec Bachar al-Assad ? شو كانت هي أسباب المعارضة ، شو كانت التناقضات مع بشار الأسد ؟ التناقضات ليست مع شخص ، التناقضات هي مع نظام حكم. Les contradictions ne sont pas avec une personne, les contradictions sont avec un système de gestion du pays, de gouvernance. نحن كحزب منذ عام 2000 تقريباً ونحن نقول بأن سوريا بحاجة إلى تغيير جذري عميق في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة حاليا. En tout cas, depuis 2000 au moins, depuis l'an 2000, il disait que de toute façon, il est important de réformer l'ensemble des structures. La Syrie a besoin d'une réforme profonde des structures sur les plans politiques, hiérarchiques, structurels, économiques et même de l'éducation. Hein? Nous avons une vue complète sur l'ensemble de ces questions. Une transformation économique, dans quel sens ? Pourquoi ? التطور السياسي أو التطوير الاقتصادي عفوا بأي اتجاه بتكون يعني؟ باتجاه ما نسميه نحن الأكثر وفرة في توزيع الانتاج الوطني لمصلحة ما نسميه توزيع غنى وليس توزيع فقر. C'est une économie, on veut aller vers une économie de distribution de richesse et non pas de distribution de pauvreté. C'est ce qu'ils appellent. ولكن حقيقة كنا دائما نقول أن أي إصلاح كان الإصلاح السياسي هو مقدمة لإصلاح آخر. Mais en réalité, ce que nous disions aussi, en priorité pour toutes les réformes, il faut une réforme politique qui doit précéder toute autre réforme. ولكن الفرق بيننا وبين الآخرين أننا كنا نقول بأن هذا التغيير يجب أن يكون هادئ وتدريجي وسلمي وعبر تغيير بنى مجتمعية وسياسية واقتصادية وليس بصدام أو بذهاب إلى ما حصل في سوريا. La différence avec les autres, nous on pense que cette transformation ou cette réforme doit être lente, progressive, avec une transformation profonde des idées et des structures et même de la mentalité. Donc, et pas du tout aller faire une confrontation violente comme ce que les autres ont fait. لأننا نحن لا نؤمن بالحالة الانقلابية بل بالحالة البنائية لأننا نعتبر أي تغيير هو تغيير في المجتمع وفي بنية المجتمع
وعلينا العمل على المجتمع لتحقيق أهدافنا في التغيير. Ce qu'on pense aussi que tout, il ne croit pas du tout à la transformation par putsch et par des transformations violentes et rapides, mais par une transformation profonde de l'ensemble de la structure sociale et de la structure économique et de la pensée. Est-ce qu'il y a moyen d'être, et même des relations sociales. Est-ce qu'il y a moyen d'être plus concret ? Dans l'économie, il faudrait changer comment ? هل هناك مجال إنه نكون بشكل ملموس أكثر يعني تطوير الاقتصاد كيف بأي اتجاه؟ طبعاً الاقتصاد مرتبط بالواقع الاجتماعي. الاقتصاد ليس شيئاً مستقلاً. لذلك نتكلم عن سوريا. عندما نتكلم عن سوريا نتكلم عن الاقتصاد الزراعي بالدرجة الأولى. وعندما نتكلم عن الزراعة نتكلم عن انا نسيت انه مو الي اللي عم يترجم Elle dit, de toute façon, nous, on travaille, la transformation économique, elle est liée à la réalité de la Syrie. La réalité de la Syrie, c'est que c'est un pays agricole, et donc d'abord, il faudra qu'on travaille sur l'agriculture et les structures sociales liées à l'agriculture. نحن لدينا نظرية تقول بأن الإنسان أو المواطن هو قيم على وسائل الإنتاج وليس مالك، وبالتالي مرتبط بالخطة القومية والوطنية لاحتياجات البلاد. Ouais. Donc dans leur théorie, c'est dans la théorie, c'est que l'être humain, les personnes dominent les moyens de production et ne les possèdent pas. Il doit mettre en place, il doit suivre un plan d'action national de la production réellement. وهي حالة مزيج بين الاشتراكية والرأسمالية. Et c'est un mélange entre le socialisme et le capitalisme. أي أن الدولة تضع السياسات. L'État met en place les stratégies et les politiques. والناس والمالكي الوسائل الإنتاج ينفذون هذه السياسات ضمن الخطة العامة ويملكون ويستفيدون من نتائجها. Et les propriétaires des moyens de production mettent en place cette politique et tirent profit des conséquences en fait. وبالتالي لا يتحول المواطن إلى موظف فقط. Et le citoyen ne devient pas un fonctionnaire seulement. وبنفس الوقت لا يكون مالك جشع يستطيع الصرف كما يريد. Et en même temps, il n'est pas propriétaire qui a toute liberté d'action comme il voudrait. هو قريب من مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي طرح في أوروبا في السنوات الماضية. C'est un concept qui est proche de la du marché social, de l'économie sociale, du marché social qui était ouverte en Europe dans les dernières années. في كل الأحوال هذا اقتصاد الاقتصاد لدينا في الحزب من هو أقدر على شرح هذه العناوين. En tout cas, c'est une question qui est liée à une spécialisation. Ils ont dans le parti des gens spécialisés dans l'économie qui pourraient peut-être disserter davantage sur cette théorie. Est-ce qu'il pourrait conclure avec son message pour les Européens ? بإمكانك تعطي هيك بكلمة أخيرة شو هي رسالتك للأوروبيين؟ رسالتي تقول message بأن سوريا هي جزء من الحزام الحضاري الحقيقي للحضارة الإنسانية التي تفتخر بها أوروبا. C'est important de dire, il tient à dire que la Syrie est vraiment une partie importante de la ceinture civilisationnelle importante importante et vieille aussi de la ceinture de l'Europe en fait. والمعركة في سوريا كانت بين أن تتحول إلى سوريا إلى قاعدة للإرهاب العالمي. La bataille en Syrie, c'était soit que la Syrie se transformait en
plateforme tournante des terroristes mondiales et la et de la de l'extrémisme واقتراب الحالة المتطرفة من أفغانستان باتجاه سوريا وصولا لأوروبا. Et c'est en fait qui se rapproche finalement de l'Europe, en venant de l'Afghanistan, qui se rapproche de l'Europe. Donc, en fait, cette bataille entre ça et la vraie identité de la Syrie, qui est une identité d'une civilisation qui a 10 000 ans. Et qui est la terre des trois religions monothéistes. Même avant. Et qui sont aussi une production syrienne. Et ce que l'Europe, ce dont l'Europe se vante aujourd'hui, depuis l'alphabet jusqu'aux lois, en fin de compte, ce sont des productions syriennes. Le premier alphabet, le premier code civil, les premières politiques d'échange, les premiers traités politiques ont été faits en Syrie. Les peuples européens doivent se défendre dans leur maison. En défendant la vraie identité syrienne, civilisation. La Syrie que nous défendons réellement, que nous, en tant que parti politique, que nous défendons. Que nous défendons, c'est la Syrie séculaire. Un État laïque. Et et pas du tout un État religieux de Daesh. والمعركة بالمناسبة وبالمناسبة المعركة هذه المعركة الحضارية لم تنتهي بعد. Et cette bataille de la civilisation n'est pas finie. وما يحصل في إدلب وشمال سوريا ما زال خطير. Ce qui se passe à Idlib et dans le nord syrien est toujours très dangereux. وهذا كرمد الذي قد يشتعل من جديد. Très dangereux. Ça risque aussi de redémarrer à nouveau. بالمناسبة أنا شخص لم أحمل السلاح لم أقاتل دافعنا كحزب عن فكرة وأن تعرفين عن فكرة حمل السلاح منذ البداية لدينا شهداء أنا لدي ولد شهيد il a aussi un fils qui a été tué dans les événements son fils a été visible, il dit, lui, il n'a pas porté des armes, il n'est pas pour porter des armes, mais leur parti aussi a pris les armes pour défendre la Syrie. il est interdit d'aller en Europe. Alors que les directions de Daesh et Jabhat al-Nusra sont en train de se balader à Paris et à Berlin, et même dans les couloirs de l'ONU. Nous suite à la politique européenne.